direction Olonne-sur-Mer pour ce nouveau numéro de Terre de Marin. Vous allez découvrir J-Composite, un chantier naval. De ces ateliers sortent chaque année plus de 180 bateaux. Un site où la technologie cohabite avec la passion pour la navigation. C'est un reportage d'Anthony Jamin. L'origine des J-Boats, il y a deux frères, Rod et Bob Johnston, et leur premier prototype, le J-24, un quillard sportif aujourd'hui vieux de 40 ans. Depuis 1994, J-Composite à Olonne-sur-Mer adapte et construit les plans Johnston pour le marché européen. Il y a peu, le J-70, successeur du J-24, a été lancé. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Donc là, on arrive dans l'atelier composite. C'est l'atelier où on va produire les coques, les ponts, toutes les petites pièces qui sont faites en composite. Donc là, on arrive juste devant moule de coque du J97, qui est notre plus petit modèle dans la gamme croisière rapide. On va faire toutes les coques de nos gros modèles ici. Toutes les coques, tout ce qui est réalisé en infusion va être fait dans cet atelier-là. Après, sur des modèles plus petits, on va faire de temps en temps appel à de la sous-traitance pour les constructions des plus petits bateaux. Chez J-Composite, on utilise beaucoup le système d'infusion évoqué par Frédéric. Les coques, les ponts et les pièces structurelles comme les cloisons sont ainsi produites. Un procédé de production composite qui permet à la fois d'alléger le poids des pièces et d'augmenter leur rigidité. C'est un procédé qui va consister à mettre les tissus de fibres de verre à sec dans le moule, et on va amener la résine qui est la colle qui va venir solidifier l'ensemble en faisant le vide sur le moule, et c'est le vide qui va aspirer la résine. Ça permet de contrôler la quantité de résine exacte qu'on va mettre dans la pièce, ainsi que bien compacter les tissus pour avoir une pièce des plus structurées. On a choisi ce procédé-là pour pouvoir vraiment se différencier, parce qu'on a un réel gain si on compare ça avec un procédé qui va être plus classique au contact, où là on va mettre les tissus de verre et la résine les uns après les autres en épaisseur à chaque fois. On va avoir une coque qui va être 30% plus légère pour une raideur équivalente ou 30% plus raide pour le même poids. Donc ce qui va nous permettre d'avoir un réel gain par rapport à d'autres produits en termes de performance, ça va se traduire en gain de performance par la suite pour le bateau. Autre domaine dans lequel J-Composite tient à se démarquer, la composition des quilles de bateau. Pour la bulle de la quille, J-Composite préfère le plomb à la fonte généralement utilisée. Plus dense, donc plus lourd à volume égal, le plomb permet de gagner en stabilité et de diminuer le volume de la quille. Là encore, un parti pris lié à la performance. Donc là, on est sur la réalisation d'une quille de J-70. En fait, sur les quilles de J-70, on va encapsuler complètement dans deux coquilles composites la quille en plomb qu'on reçoit de la fonderie, ce qui nous permet d'avoir une finition parfaite à l'extérieur, une solidité supplémentaire. Comme dans toute entreprise, le rapport qualité-prix des matériaux ou des techniques employées est primordial. Certaines pièces non structurelles ne suivent donc pas le même schéma. Le système d'infusion évoqué précédemment, par exemple, n'est donc pas utilisé sur des pièces trop petites. Dans ces cas-là, on revient à la méthode plus traditionnelle, le moulage au contact. Une technique manuelle qui consiste à imprégner successivement de résine des couches de tissu de fibres de verre. Les pièces principales vont être la coque, le pont et les cloisons structurelles du bateau. Après, on a plein de petites pièces dans un bateau. Suivant les modèles, on en a plein de différentes. Là, on va avoir des moules de coffres, de cockpit. Hein, donc c'est tous les petits coffres qu'on va avoir sur le pont du bateau qui vont être des rangements. Donc ça, c'est les dessus de coffres. Là, on a un moule. On fabrique des marches en composite pour la descente d'un de nos modèles du J111. C'est des marches dans lesquelles on peut mettre de l'antidérapant pour avoir des marches légères et qui soient bien antidérapantes. On a des moules de bac. Ça, c'est un bac de glacière. D'autres pièces comme ces safrans sont élaborées selon la méthode sandwich. Pour assurer une plus grande rigidité à la pièce, on a ajouté une âme, un matériau léger et compact qui sera recouvert de part et d'autre de fines couches de peau composite.
Direction maintenant l'étage où sont moulés les ponts des monocoques. Donc là, on arrive sur le moule de pont du J111. On est au démarrage du procédé de fabrication. Ici, la minutie est de rigueur. Sur ce poste, les salariés sont presque uniquement des femmes. Car avant le moulage du pont à proprement parler, il faut délimiter les zones antidérapantes. Sur ce modèle, J Composite a opté pour un pont bicolore. Du gris pour les zones antidérapantes, du blanc pour le reste du pont. Une opération longue et rigoureuse qui demande en moyenne une semaine de travail. Donc là, maintenant, on est dans l'atelier montage. On est passé de l'atelier composite où on faisait toutes les pièces, coques, ponts et petites pièces, à l'atelier montage. C'est là où vont arriver les coques et les ponts une fois qu'elles sont prêtes à être assemblées. Là, on est en train de préparer le pont. De façon standard, ce qu'on va poser, c'est tout l'accastillage, toutes les pièces d'accastillage. Ce pont-là a une particularité, c'est qu'il a un pont tech. Donc là, on est en train de poser et de coller l'ensemble du pont en tech qui fera l'habillage du pont. Sur l'ensemble des modèles que propose J Composite, il y a les éléments de série et puis il y a le petit plus apporté à chaque client en fonction de ses demandes, comme ce pont en tech. On n'est pas un chantier qui fabrique des bateaux custom où on peut répondre à toutes les demandes, mais on a quand même des listes d'options qui permettent de personnaliser son bateau. Ce bateau-là, il aura un pont en tech, une peinture de coque bleu marine, voilà, pour avoir une personnalisation. Donc on essaye de pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Actuellement, J Composite produit jusqu'à 180 bateaux à l'année. Le J70 étant un des best-sellers avec une centaine d'unités produites. Son grand frère, le J80, lui aussi un sportboat, fonctionne bien, avec une quarantaine d'exemplaires écoulés chaque année. Le reste de la production est partagé entre différents modèles, des unités habitables parfaitement adaptées aux croisiéristes et généralement plus spacieuses, des modèles plus imposants aussi. Au final, un carnet de commandes bien rempli et des délais de livraison qui augmentent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des petits modèles comme le J70 surtout et le J80 qui sont des modèles qui plaisent beaucoup, des modèles qui correspondent au marché aujourd'hui, qui arrivent au bon moment, qui sont des bons produits, donc sur lesquels on a une forte demande. Le J70 par exemple, donc c'est un modèle qui va falloir être un mois pour produire un bateau quand on commence vraiment du début jusqu'à la livraison. Par contre, aujourd'hui, en termes de livraison, on est rendu à octobre parce qu'on a un carnet de commandes qui est bien rempli sur ces modèles-là. Et le fameux J70 dont parle Frédéric, le voici. Un sportboat de 7 mètres à usage familial ou sportif, une quille rétractable, un mât carbone et tout juste 800 kg. Un quillard qui a rapidement fait ses preuves lors des derniers salons nautiques et qui a pour vocation de devenir le monotype international de référence, à l'image de son grand frère le J24, vieux de 40 ans. La marque n'avait pas sorti de nouveaux bateaux dans cette taille-là depuis plus de 25 ans. C'est un projet qui a mis du temps à mûrir. Aujourd'hui, on travaille de façon conjointe avec les États-Unis. Les bateaux qui sortent sont sortis entre guillemets et conçus de façon commune. Sortir un nouveau bateau après l'énorme succès du J22 et du J24, il fallait qu'il apporte quelque chose de nouveau. On a, nous, une particularité, c'est qu'on ne fait pas des nouveaux bateaux tous les ans. On ne remplace pas notre gamme tous les 3 ans. On fait des bateaux qui sont là pour durer. Hein, le J80 aura 20 ans cette année. Et on essaye de... On ne se laisse pas aller aux effets de mode et on essaye de faire des produits qui soient des produits aboutis et qui puissent passer les années sans encombre. Ça fait partie des modèles auxquels on porte de l'attention parce que c'est un volume important. Pour l'image, c'est quelque chose d'important. On a déjà une flotte qui se crée dans beaucoup de pays européens. Et puis, ça dénote aussi des tendances du marché aujourd'hui. Beaucoup de J70 écoulés, mais un prix de vente qui ne permettrait pas au chantier holonois de vivre de cette seule production. Il faut donc construire des bateaux plus grands, plus spacieux, car c'est sur ces modèles que s'opèrent les plus belles marges. Pas une volonté de partir que sur des petits bateaux. Comme je disais, on a aussi... c'est pas là où on axe, ça crée du volume. Mais c'est pas uniquement ce qui permet de faire tourner l'entreprise. Il faut aussi qu'on puisse développer nos gros modèles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille aussi vraiment de façon concentrée sur les gros modèles pour pouvoir coller encore une fois le plus possible au marché.
Comme toutes les entreprises de construction navale, J Composite tente au mieux de faire face à la crise. Les clients sont certes peut-être plus frileux, mais l'étendue de la gamme de J-Boats permet de répondre à toutes les demandes et ainsi de pallier les difficultés économiques liées à la non-commercialisation de tel ou tel voilier. Quoi qu'il en soit, avec un prix d'appel plutôt attractif aux alentours de 30 000 euros hors taxes, le J70 devrait continuer de susciter beaucoup d'intérêt chez les régatiers confirmés et chez les novices de la navigation. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous dans 8 jours pour une autre belle découverte du littoral vendéen.